ni la justification ni la sanctification ne résultent d'œuvres méritoires. Elles sont toutes des attribuables à la grâce du Christ et à sa justice. Chers membres, groupe ministère intercession, membres du groupe ministère famille des affranchis, membres, c'est par la foi, ministère Gédéon, missionnaire des héritiers, persévérance en Christ, groupe Jab passé par organe moins pour souhaiter nous une chaleureuse, cordiale bienvenue dans le Seigneur. Dans moment ça, nous sentons contents de ce que bon Dieu bail nous opportunité nous pour clôturer deuxième semaine de 21 jours ça. Dans moment ça, c'est dîner qui rentrer la caillou. Ou même cap coûter nous sur les ondes Facebook, YouTube, radio, télépapillon. Nous souhaitons bienvenue. Pour nous capables de débuter avec programme nous, avec dîner nous à midi ça, nous pourrons inviter c'est nous Jessica pour capable chanter pour avec nous dans le numéro 341. Oui, porte ton soin, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. En moi, Jésus, ne lâche aucune place où le péché se glissant en interdit. Agneau de Dieu, que ton sang purifie ce qui me vient de son pauvre maudit. Oui, pour ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Par ton esprit, de ton trône de gloire, tu viens en moi, misérable pécheur, pour un la complète victoire et nettoyer entièrement mon cœur. Oui, pour ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Tu verras, Seigneur, j'attends plein d'espérance près de la croix. Où ton sang fut versé, là j'ai reçu la nouvelle naissance. Là mon soupir fut toujours exaucé. Oui, pour ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Alléluia, ton image. Béni sois-tu de ma sainte origine. J'ai retrouvé tous les titres en toi. Et pour ton sang, mon pauvre cœur devient plus blanc que la neige, ô Seigneur. Oui, pour ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Et par ton sang, mon pauvre cœur devient plus blanc que la neige, ô Seigneur.
Napoline et Thessaloniciens 5, verset 25. Frères, priez pour nous. Amen. Dans ce moment, ça, nous pouvons le passer et chanter nous. Ton sang précieux enlève mon iniquité. M'appelle au pied de ta croix maintenant. Pour confier des yeux, je me rends blanc, plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau. Intercession à plus blanc que la neige. Missionnaire, famille des affranchis à plus blanc que la neige. C'est par la foi plus blanc que la neige. De mon péché, Dieu très saint est trop grand. Amen. Je veux en être délivré à cette heure. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus. Jésus, sois ma délivrance. C'est lui-même, oui. Calmez ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confuse. Missionnaire des héritiers, apprends-nous. Blanc, blanc, lavé, persévérance en Christ. Je lave dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que l'homme. Oh Jésus. Oh Jésus, ton sang précieux, sans ça te couler sur le bois du calvaire, pour te capable nettoyer nous. Je te contemple. Je te contemple et je puis croire. Quand je te à ta victoire. Je me lève triomphant. Lève triomphant, blanc puis blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lave-nous, Seigneur. Plus blanc que neige. Lave-nous le sang de l'agneau. Notre cœur. Plus blanc que la neige.
Donc neige blanc, plus blanc que neige, lave dans le sang de l'agneau. Mon cœur plus blanc que la mer. Amen. Gloire à Dieu. Bon Dieu a plavé nous la prendre nous plus blanc que la neige. Béni soit l'Éternel. Dans moment ça, nous pouvons lire ensemble avec les 10 commandements. Faut que nous pas jamais suspendre les miroirs ça qui pour montrer nous les nous péchés devant Seigneur. Exode 20 verset 1 à 17. Alors Dieu prononcera toutes ses paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tireras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen et béni soit l'Éternel. Dans ce moment ça, nous pourrons méditer avec nous, frère Sonel. Merci, frère Audelin, pour l'opportunité qui est au bâillon, pour être capable de faire continuité avec les belles programmes ça. À midi ça, non seulement pour nous dire bon Dieu merci, pour tout ça lui fait, pour tout ça lié dans la vie nous, et il faut que nous toujours reconnaissons avec tout ça bon Dieu fait dans la vie nous. Je profite occasion ça pour nous saluer chaque ami, chaque frère et soeur, ou même qui est fidèle à la prière, ou même qui prend un petit temps pour vous voir ça, ou bien pour participer avec nous, la chaîne de prière ça, côté qui est durant 21 jours, n'a bien la grâce, n'a bien la parole, bon Dieu, ensemble, n'a soupe, n'a déjeuné, n'a dîné et n'a soupé dans la parole de Dieu. Que grâce, que miséricorde de Dieu vivant, capable toujours de reposer sur la vie. Amis et chers amis, côté que nous avons passé des mille bouts de journée dans la journée, eh bien, nous capables de dire, bon Dieu, toujours protéger nos fait nous par capacité avec bouche, nous faibles. Eh bien, nous pourrons apprendre un peu la parole, bon Dieu, sous sa nourriture. Sanctification. Oui, sanctification, chers amis, c'est un processus dans la vie d'un chrétien. Vous voyez, une fois qu'on finit baptisé, chers amis,
ou bien quelque part à suivre. Malgré un peu parfois, les noms baptisés mon Dieu, nous qu'on dit tout bas est fini. Mais non, pas oublier, pendant que je suis baptisé, j'ai mouru pour mon blanc, qu'on a le droit de vivre pour Jésus-Christ. C'est ça, apôtre Paul dit. Si ma vie, je vous dis, c'est pas moi-même qui a vu, mais c'est Christ qui a vu dans moi. Eh bien, je dis à nous pour apprendre un peu sur la sanctification qui est un processus dans la vie de chrétien. Pas oublier, grand type, maintenant, chers amis, c'est répondez-vous, convertissez-vous, car Jésus-Christ revient bientôt. Si nous connaissons Jésus-Christ, après retourner, chers amis, nous gagnons pas pour nous faire, nous gagnons position pour nous camper. Il faut que nous connaissions qui est ce monde qui nous défend. Et bien, chers amis, la parole de Dieu, pour elle dit dans Amos chapitre 4, verset 12, c'est pourquoi j'ai été traité de même manière qu'Israël, puisque j'étais traité de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu pour Israël. Pas bien, chers amis, nous-mêmes, ensemble avec vous, en jardin d'Éden, ou bien dans Adam, nous t'es perdu. Et bien, vous devinez les acheter. Donc. C'est ça qui fait que nous-mêmes, ensemble avec vous, il faut que nous vivions une vie de repentance chaque jour. Et pendant nous repentons, pendant nous convertissons, pendant l'accepter Jésus-Christ comme sauveur humain, nous gagnons marche à suivre. Vous êtes capable de prendre un exemple sur un terrain. Prenez bien route. Si route, c'est sur route, ça peut passer. Une fois que l'hyperdirail, ça nous rend le rail là, une fois que l'hyperdirail, comme je l'ai cherché à mettre la faccine. C'est la même manière. Si nous-mêmes, ensemble avec vous, nous ne prenons pas position ça, nous ne prenons pas attitude ça, nous ne prenons pas chemin ça, qui est la sanctification, nous pourrons découvrir dans la Bible que, café, nous-mêmes, ensemble avec vous, la couleur, si toutefois nous pas accepter pour ce système dans la Bible. La parole de Dieu a continué pour nous dire, dans Exode chapitre 19, si vous lisez verset 1er, vous pourrez dire que c'est Dieu même qui parle avec Moïse pour lui dire comment moi-même, avec vos forces, qu'on est moins, on racheté nos soutiens en bas esclaves dans le pays d'Égypte. Eh bien, il faut que nous tendions même parler ensemble avec nous. Parce que c'est moi-même qui met, nous, c'est moi-même qui bon Dieu, nous, c'est moi-même qui créateur. Nous. Pas oublier, il était fait Abraham pour mettre ça. Eh bien, Abraham, oui. Il peut jouer pour mettre ça. Mais en Jacob, chers amis, pour mettre la ville accomplie. Vous connaissez l'histoire bien. C'est-à-dire qu'une fois que bon Dieu retire, soutenant les ténèbres que vous payez, soutenant la boue que vous payez, soutenant la malpropriété que vous payez, ça nourrit les péchés. Hein? Parce qu'après, pour ne pas dépenser à quel pays nous quittons les péchés dominés sous la ville. Malgré nous, c'est péché, mais il faut que nous raillissons ça devenir péché. Et une fois que, chers amis, bon Dieu parle avec Moïse, comme ça, dit que c'est pour nous garder les mains ensemble avec nous, parce qu'avec vos forces, qu'on est pour nous retirer, nous, dans le pays d'Égypte. Eh bien, dans verset 10, la librairie dit comme ça que le Seigneur a dit Moïse, allez bon côté, peuple là. Fais-vous prendre journée aujourd'hui, à journée demain, pour vous mettre dans condition pour vous faire service. Mais c'est pour vous laver radio. C'est pour vous parler vous comme ça doit. Le verset 11, pour dire comme ça que c'est pour nous parler pour troisième jour, parce que sous trois jours, moi-même, Seigneur, m'a descendu sous mon Sinaï pour tout le monde, papa Boué. La vie là de nous, préparez-nous, sanctifiez-nous dans notre parole, mettez-nous dans nos conditions pour faire service pour mon Dieu. Moi-même, Seigneur, qui a tout pouvoir, m'a descendu pour tout le monde, papa Boué. Est-ce que vous avez des temps, bon Dieu, là? Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ, n'importe là, la frappe? Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ pas loin pour retourner? On n'a pas besoin d'inciter et problème, signal, signe de factualité dans le monde, dans la guerre, grand goût, mon père, mais mon père, mon abonné pour pouvoir. On n'a pas besoin de citoyen de ça parce que vous connaissez déjà. Mais c'est ça que je voulais rappeler, on a mis ça. Dans midi, ça, chers amis, Jésus-Christ a pris de même Jean, on était dit, c'est pour nous mettre dans condition pour nous laver radio. Oui, laver radio, parce que matin, laver radio, dans la vie, parce que si radio par la vie, chers amis, eh bien, Jésus-Christ a pris de même ou même moi. Il dit comme ça que
le troisième jour, ça, ok, moi-même, ma distance, sous mon nom, ma fait tout le monde. Eh bien, chers amis, nous voyons réellement, oui, moi-même, ensemble avec vous, ça, qui est plus important dans la vie, moi-même, ensemble avec vous, une fois que nous finissons accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître, eh bien, la sanctification, ce n'est pas un bagage, nous, comme machistes, dans les mêmes. Nous voulons présenter trois étapes, ou bien trois façons, ou bien trois périodes dans la vie en chrétien. Bien trois étapes. Ça nous dit justification, sanctification et glorification. L'autre trois étapes ça dans la vie en chrétien, la justification. C'est ça que Seigneur Jésus-Christ fait à notre faveur. Ça que nous-mêmes avons nous pas qu'à faire, mais bon Dieu lui-même, en Jésus-Christ, il fait pour nous. Sanctification, c'est ça que nous-mêmes avons nous pu mettre bon Dieu fait dans la vie. Pablier, apôtre Paul dit, si ma vie vous m'a dit, si vous respirez, ce n'est pas vous-même qui avez respiré, mais c'est Jésus-Christ qui a respiré dans nous. Si ma vie, ce n'est pas moi-même qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Eh bien, la sanctification, c'est comme si renoncer à vous-même, eh bien, quitter Jésus-Christ, vivre dans vous. Et glorification, vous connaissez dans l'occasion de Jésus-Christ, vous pouvez recevoir le corps glorification. Nous voulons partager ensemble avec vous, juste pour capable, ce n'est pas une invention, aucun chrétien, aucune dénomination n'oublie, ça nous relie sanctification. Parce que sanctification, nous pouvons trouver origine en hébreu et en grec. En hébreu, qui pourrait le dire, qui pourrait le dire, Kadosh. Kadosh, chers amis, c'est mis à part pour y être bien déterminé ou bien sanctifié ou bien séparé. Ok? Il y a un mot hébreu, on pourrait le joindre comme Agios. Agios, qui signifie sanctifié ou bien séparé ou bien consacré. Et bien, nous-mêmes, ensemble avec vous, nous quitter Kadosh ou bien Ijos, entrer dans la vie, nous, chers amis, nous sommes des hommes et des femmes qui font la différence dans la communauté ou qui la Bible. Nous allons partager ensemble avec vous quelques versets dans la Bible qui montrent comment, qui nous mettent ensemble avec vous, nous devons prendre position ça sévèrement. Parce que sans position, chers amis, la vie, nous-mêmes, ensemble avec vous, pape arrivé chez Bandi Blesse. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 14, pour verset 15, il dit pour ça qui obéit avec bon Dieu parce que nous-mêmes, nous sommes petits. Retournez, rejoignez-nous, et blisez les chemins, les pratiques mal nous qu'on a fait, et pour nous capables de connaître ce qui est bon pour nous. Mais qu'on y a, chers amis, c'est pour nous venir saints. Même Jean qui, moi-même, bon Dieu, moi, c'est pour nous venir même avec papa, nous, parce qu'il nous sait petit bon Dieu. Selon 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 et 15. Parole bon Dieu pour continuer pour dire comme ça, qui est dans Isaïe chapitre 57, le verset 15. Parce que bon Dieu qui était en haut dans le ciel là, lui habitait dans l'extrémité. Et non, lui, c'est saint. Ok? Nous, bon Dieu, c'est saint. Lui habitait dans un lieu qui est saint. Il dit que, chers amis, nous, ensemble avec vous, il faut que nous humilions avec cet esprit qui vivifie parce que nous devons vivre une vie de sanctification que nous devons contrôler par le Saint-Esprit. C'est dans Isaïe chapitre 8, 57, verset 15. Nous sommes capables de dire, selon la doctrine chrétienne, sanctification, c'est un processus, qui rend quelqu'un ou bien quelque chose. C'est-à-dire que les procédés de sanctification, eh bien, chers amis, ou si yon moun ka vive yon vie de séparé, yon vie qui a pas, yon vie qui pas mêlé avec ça pas bon, c'est-à-dire que ou même son qui gagne vie de dévotion avec maître, avec bon Dieu qui gagne tout pouvoir par la ciel là. Dans Romains chapitre 7, le verset 12, pour dire comme ça, que de même façon, la loi lui-même le sait, eh bien, commandement bon Dieu, établi bon Dieu dans les 10 commandements, chers amis, pour nous donner une vie qui est équilibrée. Au lieu de nous mettre 10 commandements, chers amis, pour dire, mais ça pour nous faire. Si toutefois nous remèdons, eh bien, écoutez parole, moi. Suivez l'instruction, bien. Pas oublier, nous prenons exemple, tant que nous
train, il y a un rail, ou bien la langue portugaise, il y a un trilio. Quand c'est sur le rail, il marche, il n'est pas capable de marcher. S'il marche à terre, il n'y a pas d'accident. S'il marche à terre, il va pouvoir dans la destination. C'est à faire que moi-même, ensemble avec vous, toutefois, nous n'avons pas accepté la sanctification dans la vie. Donc, mes chers amis, moi-même, ensemble avec vous, je ne suis pas belle dans la vie. Eh bien, la parole de Dieu continue de dire dans Hébreux chapitre 12, le verset 14. Cherchez la paix avec tout le monde et sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Jésus-Christ. Cherchez la paix avec tout le monde et sanctifiez la sanctification. Sans ça, personne ne peut voir Jésus-Christ. C'est ça, parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 14. Dès qu'on dit chapitre 27, le verset 1er, pour le consacrer, mes amis, ou déjà, mes amis frères et sœurs, pour mes purifications, ça nous vient dans le cœur. Oui, chers amis, c'est pour nous, c'est pas vivre selon la chair, mais vivre selon le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils ont envie de sanctification, ils ont envie de respect, ils ont envie de créatif. Pour vous ne pas oublier, créatif ici, ce n'est pas paix, bon Dieu. Malgré, oui, c'est au monde qui a tout pouvoir, mais ce n'est pas appel. Mais c'est obéir avec parole, obéir avec ses commandements, obéir avec instruction. C'est quitter ou même bien lié, mais pour Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit, c'est actualité dans la vie. Pour être capable de racheter l'âme qui n'en fait noir, l'âme qui perdit, qui ne connaît bon Dieu, qui ne connaît qui ça, Jésus-Christ, c'est lui pour nous. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 10, on dit comme ça que personne n'est pas saint, même avec bon Dieu. Ok? Écoutez bien, personne n'est pas saint, même avec bon Dieu. Mais il n'y a pas de l'autre monde encore qui sait, même avec bon Dieu. Et mais c'est ça qui fait que nous ensemble avec vous pour nous venir saint. Mais il dit pendant qu'il dit personne n'est pas saint, même avec bon Dieu, il dit que vous n'avez pas besoin de chercher la sanctification de l'autre côté, celle de bon Dieu en gros. Dieu la boue, Dieu bois, Dieu bronze, Dieu fer, Dieu l'or, Dieu diamant, il dit ça n'est pas capable de boire la sanctification. Mais bon Dieu qui a tout pouvoir au ciel là, il est capable de boire la sanctification. Eh bien, il dit comme ça que pas de personne qui s'est mis avec mon Dieu, pas de l'autre monde encore. Mais moi-même, ensemble avec vous, il est pour nous venir sanctifier la parole. Et c'est ça, nous tient chapitre 4, verset 7, pour dire comme ça. Eh bien, chers amis, dans Romains chapitre 12, le verset 1er, l'apôtre Paul a parlé avec Petra, l'Ibral dit, dans les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, présentez-nous comme un sacrifice vivant et saint, agréable à Dieu, et c'est culte rationnel, moi-même, ensemble avec vous. Chers amis, frères et sœurs, nous connaissons que nous n'avons pas facile, mais bon Dieu, lui-même, il fait pour mes là, il est toujours là avec nous, il n'est pas blague. Eh bien, midi ça, chers amis, côté qui nous fait apprendre l'importance pour nous sanctifier, nous, dans ce que nous avons fait, dans ce que nous avons dit, dans le côté qui nous a passé, et de nous dire, nous avons dit tout prêt pour être capable de jeter bénédiction sur nous. Respectez que nous avons dit capable de bénir, bénir et aider à prendre position ça à chaque jour dans la vie. Nous avons prié l'éternel. Céleste Père Jésus-Christ, ou même qui c'est maintenant, ou même qui c'est papa, nous, même qui c'est sauvé, nous, même qui c'est tout pour nous. Nous vous remercions parce que vous êtes arrivés, nous sommes dans le canon à couvrir dans son admirable lumière. Nous vous demandons de nous force, courage pour être capable de sanctifier de chaque jour, même gens qui nous reconnaissent que c'est grâce à vous-même, c'est parce que vous êtes accepté nous qui fait nous vivre toujours. Et nous voulons recevoir la glorification. Mais tout en que glorification pour convenir, nous voulons être dans la sanctification pour être capable de faire un pas en avant chaque jour avec famille, avec tout ce qui est à l'entour. Bénis nous dirigeons, bénis chaque ami, chaque fois et fait, plus précisément cette bourse qui nous tient tête ensemble pour être capable de choquer péché dans la vie chrétienne. Que nous soyons ainsi au nom de Jésus-Christ qui vit après nous au siècle des siècles. Amen. Merci, mes bien-aimés. Merci, chers amis. Que vous êtes capable toujours de jeter bénédiction sur vous. C'est là que nous campons avec prière pour nous dire que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde vous.